Là, je suis autodidacte. Moi, j'ai un BTS électrotechnique, donc je suis électricien. J'ai grandi dans ma vie professionnelle de manière naturelle, par choix de carrière. Et je voulais un petit peu asseoir ma légitimité dans le travail et avoir une expertise un peu plus pertinente. Ce qui a fait vraiment le choix des décisions, c'est le fait du partenariat avec la Sorbonne. C'est-à-dire que je travaille moi dans un groupe international, canadien. Et dès le moment où je commence à expliquer IFG, les gens disent OK, c'est un MBA. Quand je commence à dire que c'est en partenariat avec la Sorbonne, voilà, ça pose la chose. Apprendre à écouter les autres, apprendre à travailler ensemble et comment dire, de savoir qu'on ne sait pas, se remettre en question en disant attends, je vais revider un petit peu le vase pour le re-remplir. Que ce soit promo manager ou pilote projet, c'est vraiment clé. C'est-à-dire que le promo manager vous accompagne sur toute l'année, comment ça va se passer, être là, bienveillant toute l'année. Et le pilote projet va vous recadrer au niveau de votre projet que vous avez choisi. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà d'être en groupe pour le projet. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui demande énormément de flexibilité. La réunion à San Francisco, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Il faut vraiment le faire. Le responsable IFG qui est sur San Francisco est vraiment extraordinaire. Et il vous ouvre vraiment un peu l'esprit à qu'est-ce qui se passe ailleurs et de ne pas s'auto-centrer sur le côté français. Alors c'est génial que vous parliez de ça parce qu'en fait, je change un petit peu mon orientation professionnelle dans 15 jours. Une fois qu'on l'a fait, on n'arrive pas à comprendre que les gens ne puissent pas le faire en fait. Et je me dis que j'ai eu énormément de chance d'arriver en étant autodidacte, d'arriver là où je suis aujourd'hui. J'ai pris de la technique sur mon job, mais par contre, la personne a changé aussi. Le contenu, le contenant. Pour reprendre le nom de la promotion, une très bonne expérience. Non, non, c'est vraiment très. On s'attendait à ça, et en fait, on en a plus que ce qu'on s'attendait. Être surpris du résultat aujourd'hui dans une formation, challenge validé.